Hello tout le monde, c'est Space69 pour une nouvelle vidéo sur Super Mario Bros. 2 sur Nintendo 3DS. Donc, c'est un autre jeu sur ma 3DS que j'ai fait comme le Missa Caché à Paris. Et je voulais vous le présenter. Si vous avez eu des difficultés dans le jeu. C'est rigolo, hein, les petits frères. Ah, par contre, eux, je les déteste. Donc, dans la particularité de ce nouveau Mario Bros, eh ben, c'est que on a 6 mondes plus 2 mondes mystères que vous voyez là. Alors, le mode mystère, il commence à partir du monde 2. Donc, comme vous voyez ici, il y a un canon. Donc, dans mes souvenirs, il faut le débloquer à partir de ce monde-là. Qui est le monde, alors, pas 1, ni 2, ni 3, ni 4, le monde 5. 1-5. Donc, on commence pour cette première partie. Alors, donc là, il faut récupérer aussi les cubes, faire gaffe de pas se faire avoir dans avec les petits monstres marrons. Alors, je vous dis tout de suite, hein, vous n'êtes pas obligé de tous les écraser, hein, vous pouvez continuer et speeder. Alors ça, c'est une pièce jaune. Qu'il faut récupérer parce que grâce à ça vous avez des vous pouvez débloquer genre des maisons et tout. Donc là vous voyez ça s'affiche en dessous là, donc vous pouvez peut-être en mettre 3. Alors en dessous là c'est les records que vous avez, et ici c'est le nombre de pièces que vous avez qui ici s'affiche là-haut, et là vous avez le temps. Donc j'ai tiré avec le Y, pour ceux qui savent pas les touches. Ah oui aussi, alors des fois il y a des trucs mystères. Alors moi je les connais pas tous, je vous dis tout de suite. Mais là j'en vois un, donc je vais monter en haut, voir ce qu'il y a. C'est quoi ça? Ah, une vie. Alors ça aussi c'est des petits trucs verts pour avoir une vie. Ah ça j'adore. Alors là, vous speedez, essayez de speeder. Vous avez cher des pièces avec ça. Et voilà. Alors j'ai fini, non, j'ai rien oublié. On continue. Donc ouais, comme je vous ai dit, vous pouvez accélérer. Hein. Alors là, faut toucher. Alors là, ça vous dit que vous êtes arrivé à la moitié. Du monde. Du monde 1-1. Qu'est-ce que nous avons là? Ah, une fleur. Ah oui, aussi, là, vous avez votre réserve. Genre, si vous perdez votre fleur là, vous avez votre réserve ici, qui vous pouvez toucher, et vous pouvez avoir la fleur de rechange, mais vous n'avez pas l'autre. Des pièces, des pièces, des pièces, j'en raffole. Alors là, vous voyez, il y a un petit passage secret. On va y aller. On a un personnage jaune. Moi j'aime vraiment bien tout récupérer de A à Z. Alors là, vous voyez, j'ai pas mes deux pièces. Oh, je suis déçue. Ouh là là, il fallait me toucher.
Ah aussi, alors si genre vous vous faites toucher par un méchant, et ben vous êtes sûr de pas vous faire avoir avec le méchant. Il va juste le carrégène va partir. Ah, il est trouvé. Alors là, le but du jeu, c'est quand même d'accélérer. Bon là, j'apprends pas toutes les pièces. C'est pas normal, c'est pas mon genre. Normalement, j'attrape toutes mes pièces. Donc voilà. Oh, il y a beaucoup. Donc aussi, le but, c'est de faire le grand max. Et si vous arrivez tout en haut, et ben, vous pouvez, comment dire, avoir une vie en plus. Donc on va le monde 2. Oh, ça va se passer en souterrain, si mes souvenirs sont bons. Si mes souvenirs sont bons, ça va se passer en souterrain et ça va se passer en souterrain. Bon, allez, là je vais mourir, c'est pas semblant. Voilà. Et je récupère ma petite fleur. Ouh là là. Alors là aussi, c'est un truc à faire gaffe. Si vous voulez récupérer une pièce, mais genre, ce truc là peut... Non, j'aurais du monde. Ah oui, mamie nous. Alors là, ouais, alors là, faut grave se dépêcher. Mario. Donc là, on en a deux pièces. Contente pour moi. Alors là, je récupère une fleur. Contente aussi pour moi. Mince! Ah, ouf. Ah, ça permet d'avoir le géant de chez Max Géant. Voilà. Et we go! Non, c'est dans l'ancien monde. C'est here we go! Elle est où la fleur? Alors là, vous avez vu, je suis très très loin. Là, j'ai caletonné. Ah. Ouais, donc comme je vous ai dit, ah, essayez d'atteindre le haut si vous y arrivez. Si vous y arrivez, tant mieux. Bon, voilà, la flemme. Donc voilà. J'ai terminé le monde 1-2. Nous atterrissons dans le monde 1-3. Alors comme vous le voyez, alors je vous ai dit que là les pièces on en a besoin parce que là vous voyez c'est marqué 5 pièces pour le débloquer, alors voilà, c'est marqué là 5 pièces pour le débloquer. Alors, moi je vais pas le faire, je veux plutôt garder mes pièces parce que il me semble que si mes souvenirs sont bons il faut 90 pièces dans un monde de surprise je crois, et je préfère les garder. Ah, le truc qui vole, j'adore. Je prends le double. Qu'est-ce pas ça? Ah, vous devez accélérer avec les Y. Et ça vous fait monter en haut. Ouais, 30 pièces. Oh non! Oh non! Ah, oh, faut que je retourne tout là-bas. Oula.
Ah voilà. Alors, si mes souvenirs sont bons, c'est pour avoir une deuxième pièce. Voilà. Ah, ça va avoir si cher loin. Alors, si vous n'avez pas le truc, c'est super compliqué. Ou alors, vous essayez de prendre. Encore 30 pièces. Oui, alors, on parlait de quoi déjà? Ouais, alors, vous devez prendre une carapace. Oh. Vous devez prendre une carapace et essayer de le débloquer. Parce que c'est un peu compliqué. Donc, dans cette dernière partie de vidéo, je vais faire le château. Le château qui est très important pour débloquer Peach. Oh, le truc que je déteste. Regardez ça, c'est monstre horrible. Alors ça, je vous ai dit, ça c'est quand si vous faites genre attraper par un méchant, et ben ça vous protège. J'adore la musique. Oh merde, de l'autre côté. Mais non! Faut que je meure. Oh, que pas ça. Il fait n'importe quoi. J'ai raté la première pièce. Non, c'est pas grave, vous savez où se trouve la première pièce. C'est un passage secret. Personne ne le sait. Normalement, vous arrivez avec les trucs rouges. Bon, là, j'ai vraiment pas attrapé de pièces, mais je vous ai fait passer par le passage secret. Dans la prochaine vidéo, on va refaire le château entièrement en prenant les pièces et pas en passant par le passage secret. Alors, je m'étais trompée, c'était par rapport au château. Donc je vous garde bien sûr. Et en fait, c'est par rapport au château, et ben vous avez le canon qui vous amène dans le monde surprise. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.